Chambly, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste. Shalom à vous. Nous sommes pratiquement aujourd'hui à cette date, aujourd'hui le mercredi 15. Nous sommes à la date du mercredi 15 mars 2017. Voilà, 2017. Justement, pour revenir encore sur l'annonce concernant ma tournée européenne. Je reviens encore sur la tournée. Shalom à vous, à tous mes enfants dans le monde entier. Que Dieu bénisse les enfants d'Australie, les enfants au Canada, sur le continent américain, les États-Unis, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Voilà, je suis là justement pour donner une annonce de taille. Je reviens encore sur la tournée européenne. Voilà, pour dire c'est confirmé, les dates sont confirmées. Voilà, je serai ce week-end en Europe, pour la grâce de Dieu, précisément en France. Le 24 mars, nous démarrons une grande veillée de prière, le lancement de mes activités au niveau de l'Europe. Le 24, ça sera à Lyon. Le 24 à Lyon, par la grâce de Dieu, une grande veillée à partir de 20h jusqu'au petit matin. Et nous allons, n'est-ce pas, projeter des films concernant le ministère et les activités de l'ONG, la Fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de Vie. Et encore, nous allons, par la grâce de Dieu, le samedi qui suivra, de 15h, nous allons démarrer de 15h, le programme de 15h jusqu'à petit matin. Nous allons recevoir toute la soirée, de 15h jusqu'à la soirée, avec les actions prophétiques, les bains d'huile et tout ça. Et le dimanche à partir de 14h, de 14h à 20h encore à Lyon. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Voilà, pour confirmer, pour dire encore le produit. Voilà, donc c'est confirmé. Pour vous inscrire, c'est tellement simple, c'est d'appeler. Vous appelez le numéro du comité d'organisation concernant la croisade au niveau de. Vous appelez au niveau de l'Europe, vous avez le numéro déjà, vous inscrivez ou vous appelez à vos secrétariats du prophète Crasso et en Côte d'Ivoire, plus 225 46 07 23 28 ou plus 225 32 76 38 90. Vous appelez justement. Oui, Shalom, ma fille. Ouais, Monique Billet. Voilà. Donc, vous appelez pour vous inscrire et vous partez sur le site du prophète Crasso. www.joelcrassoministry.org. Vous inscrivez pour qu'on puisse faire le retour et en fonction de ça, bien organisé. Voilà, je remercie le Seigneur parce que cette fois-ci, c'est vraiment du top. Bien organisé, le programme de l'Europe, c'est bien organisé par la grâce de Dieu. Très bien organisé par la grâce de Dieu. Comme je disais, voilà, très bien organisé. Voilà, tous mes enfants doivent être là à ce programme-là le 24. Le vendredi 24, c'est le lancement de mes activités, n'est-ce pas, dans l'Europe. Donc, tout le monde doit être là, par la grâce de Dieu, vous venez, n'est-ce pas, pour qu'ensemble, nous puissions célébrer la victoire de Jésus sur les œuvres de la sorcellerie, afin de pouvoir encore prier pour chacun d'entre vous. Et ça, c'est très important, de prier pour vous. Et je rappellerai encore une chose, c'est que pendant cette tournée, il y aura, n'est-ce pas, des CD, qui sont en vente, c'est le tout dernier du prophète Joël Crasso. Prière prophétique acte 2, ton Dieu te donne la victoire, c'est mon 7e album. J'ai 14 ans de carrière musicale, 14 ans. Ça fait 14 ans que je chante depuis 2004. Depuis 2004, j'ai mis mon premier album en surplace 2004. Je suis professeur du Zouglou Gospel, c'est moi qui ai déclaré commencer le Zouglou Gospel. Vous voyez dans mes vidéos, Zouglou Gospel, je suis le propulseur de Zouglou Gospel. Donc vous allez voir que sur le site, vous avez vu le populaire. Et quand Jésus gagne, na populaire. Voilà, j'ai populaire, le clip populaire, c'est en 2009. Voilà, depuis 9 que j'ai vu le clip populaire. Voilà, donc j'en ai beaucoup. Jésus Adana, Kangwale, Jésus Adana. Voilà, donc je suis aujourd'hui jusqu'à 7 albums. Je viens de sortir mon 7 albums depuis hier. Voilà.
C'est vrai qu'on avait fait, on avait pris quelques morceaux pour aller faire la tournée européenne. Nous avons bouclé avec l'album avant-hier. Et hier, le 7 maintenant positionné parce qu'on attendait de boucler avec Acte prophétique. Voilà, Acte prophétique, prière prophétique, acte 2. Donc on vient de boucler. Voilà, donc j'ai 7 ans, j'ai 14 ans d'expérience en matière de chant. Je suis chanteur confirmé, déclaré au Burida. Voilà, donc. J'ai fait sortir des albums par la grâce de Dieu, en fait, de pouvoir vendre des CD sur ton émission. Maintenant, ces CD-là, pendant la tournée européenne, un CD acheté, c'est comme si tu parrainais la vie. Excusez-moi, tu parrainais la vie d'un enfant en difficulté. Acheter un CD équivaut à un parrainage d'un enfant en difficulté. Nous sommes en train, nous avons déjà 500 enfants que nous sommes en train d'occuper. Mais nous voulons, en fin d'année, boucler avec 1000 enfants, donc acheter un CD, c'est de contribuer, n'est-ce pas, à la protection parmi les 1000 enfants, c'est d'aider les 1000 enfants de la Fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de vie, et en même temps porter votre soutien à l'orphelinat de la Fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de vie, au niveau de Divo. Voilà, donc voici un peu, voilà, donc le CD est obligatoire, c'est d'acheter. En fait, de pouvoir parrainer un enfant. Nous voulons éviter que les enfants deviennent des microbes demain, sont dans la rue. Il faut leur permettre d'aller à l'école, il faut les scolariser. Voilà, il faut les scolariser. Et c'est avec les moyens, bien sûr. Voilà, il faut les. Donc, acheter un CD pendant la tournée contribuera à, n'est-ce pas, parrainer. Un CD consiste à un parrainage d'un enfant en difficulté. Voilà, donc chaque enfant spirituel, chaque personne doit s'en procurer de ce CD. Donc, comme je disais, depuis hier. Voilà, donc voici le morceau. Comme que persévérance. Voilà, le morceau persévérance de l'album, le septième album du prophète Joël Crasso. Naïli go go go, naïli go go, naïli oh naïli oh. Naïli go go go, Rio naïli oh, naïli go go go. Ne sois pas comme la femme de Lot, qu'elle sortait de Sodome et Gomorrhe, comme elle est attachée à ses biens. Elle a regardé juste en arrière, elle est une statue de saint. Jésus, la Sarah de l'avant, le royaume de Dieu, c'est une question d'avant. Persévère parce que le bout de la persévérance, c'est la couronne. Naïli oh, naïli go go go, naïla oh naïli oh. Zouglou Gospel, je suis le propulseur de ce concept depuis 2004. Voilà, depuis 2004, j'ai fait 14 ans, non plus de 13, voilà, de carrière. 14 ans de carrière musicale. Le Zouglou Gospel. Donc ne ratez pas le programme de Lyon. Naïliko, Naïliko, go, go. Naïligo, Naïligo. Naïli go go go. Ce sera du ballet, je serai en concert live pendant tout sur le programme là, c'est du live. On a comme, voilà, j'ai dit live. Ouais, mais le Zouglou Gospel. Naïli go. Naïli go go go. Naïli go go go. Naïli go. Naïli go go go. Naïli go. Naïli go go go. Voilà, Zouglou Gospel. Ça serait du balèze le 24, 24, 25. Après ça, nous attaquons l'Italie.
Après, c'est le Toulouse, l'Allemagne, la Suisse, la Grèce, l'Italie. Après, Lyon, Italie. Après, l'Italie, Toulouse, l'Allemagne, Suisse. On a déjà les gens de Luxembourg. Et on aura l'occasion de visiter encore d'autres villes de la France. Voilà, donc venez tous au programme pour la confirmation. Voilà, au bout de la persévérance, il y a une couronne. On vous demande de persévérer. Parce qu'avec Dieu, c'est la persévérance. Quand tu persévères, demain, la couronne. Donc, le morceau qui vient de jouer, le titre, c'est la persévérance. Il y a aussi, par la grâce de Dieu, mon appel. Il y a aussi Saloès. Voilà, donc on a aussi là, mon appel sur le même album. On a aussi mon appel. On a aussi la patience. Si tu demandes quelque chose à Dieu, si ça t'aide à venir, faut pas pleurer. Oh. Donc on a beaucoup de choses sur l'album, voilà. Voilà. L'album comporte 10 titres. Donc le premier acte prophétique, acte 1. On a la prophétie, acte 2. Et on a 8 chansons sur l'album. Donc c'est 10 titres, l'album. Voilà, en achetant l'album, vous parrainez un enfant en difficulté. Vous parrainez quelqu'un, un enfant. Donc pour la tournée européenne, il y aura un CD en vente. Un CD acheté, c'est un enfant. Parce que, est-ce qu'un enfant, bien-aimé, l'enfant est un don de Dieu. Et c'est ce que nous sèmons en eux, c'est ce qui va produire demain. Si nous ne nous occupons pas maintenant de nos enfants, demain, ils seront des microbes. Les conséquences seront graves. Voilà, parce que c'est ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Si la nature, si la société ne s'occupe pas des enfants, demain, ils seront des délinquants, des bandits. Pour éviter ça, il faut commencer déjà à s'occuper des enfants. C'est pour ça que nous avons une ONG. Et cette ONG, merci quoi, Pia, shalom à toi. Nous avons cette ONG qui supporte des enfants. Voilà, nous demandons aux gens, achetez un CD, c'est de parrainer les enfants. Venez en aide aux enfants en difficulté. Nous venons de finir l'orphelinat. Nous avons mis tous les enfants. La plupart des enfants là, nous avons 500 enfants que nous encadrons. Donc, il y a une partie qui est dans l'orphelinat. Et d'autres, des autres enfants sont dans les familles que nous aidons en matière de santé. Nous prenons soin d'eux pour la santé. Nous occupons de leur scolarité. Et ça, c'est très important parce que l'enfant a droit à l'éducation. Voilà, donc nous avons besoin de votre soutien. Achetez un CD, c'est justement parrainer un enfant. Quand vous achetez un CD, vous parrainez un enfant. Parmi les 1000 enfants, vous parrainez un enfant. Voilà, donc que Dieu bénisse. On attend que les États-Unis confirment encore. Sinon, j'ai un an de visa pour les États-Unis. Comme je disais hier dans ma vidéo, je ne viens pas aux États-Unis pour faire plaisir à une personne ou une communauté. Je viens aux États-Unis pour travailler. Comme si encore du voir. D'autres aimaient voulu que quand le prophète crassoit une église à Abidjan. Non, je ne suis pas à Divo pour faire plaisir à une personne. Je suis à Divo pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que je suis resté toujours à Divo. Parce que c'est là que mon employeur, que Jésus-Christ, m'a affecté. Voilà. Donc, quand Dieu vous appelle, vous donne une vision. Quand vous dites va en France, il te dit comment tu dois travailler en France. Quand il dit va aux États-Unis, il te dit ce que tu dois faire aux États-Unis. La première fois, j'avais une base à Baltimore, dans le Maryland. On a commencé des croisages, je voyageais, tout ça. Cette fois-ci, c'est de faire 7 jours dans les différents États. L'État de New York, l'État de Californie, l'État de Miami, l'État dans les 7 jours, en fait, de pouvoir aider les gens. Voilà, donc j'attends que les gens valident. Si les gens ne valident pas, on attend jusqu'au fin du mois de mars. Si les gens ne valident pas, voilà, parce qu'on attend pour une bonne organisation, je ne peux pas venir aux États-Unis, bien que j'aie le visa,
et puis c'est pas bien organisé. Voilà, je veux une bonne organisation. La première fois, elle était très bien organisée. Je tire chapeau à ceux qui ont organisé ma venue aux États-Unis. Voilà, très bien. Et cette fois-ci, ça prend encore une autre dimension. Ça serait plus dans le Maryland. On va commencer dans les différents États, selon la vision de Dieu. Et quand on est très bien, selon ce que Dieu met. Donc, on attend la confirmation que les gens se manifestent. Sinon, jusqu'à la fin du mois de mars, parce que j'attends la confirmation pour de l'Europe venir aux États-Unis. Si ce n'est pas confirmé, après l'Europe, je reviens aux Afrique, en Côte d'Ivoire, et après la Côte d'Ivoire, j'attaque le Canada. Parce que le Canada, tous les papiers sont prêts pour venir au Canada. Tout est fin prêt pour que j'arrive au Canada. J'attendais seulement justement de finir la tournée américaine, parce qu'il y a des étapes. L'Europe, je serai en Europe pour 1 mois, 3 semaines. Je vais en Europe pour 1 mois, 3 semaines pour visiter les différentes étapes à la grâce de Dieu. Et après, en principe, je devais tomber sur les États-Unis d'Amérique si justement ce que j'ai dit est pris en compte. Je ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais sur une vision de Dieu. Et c'est ça. Moi, je suis un homme de Dieu. Voilà, je ne suis pas un laïc. Je ne suis pas... voilà, donc je suis la vision de Dieu. Je ne viens pas aux États-Unis pour du tourisme, pour m'amuser. C'est pour suivre la volonté de Dieu. Et si c'est respecté, ok, je viens. Si ce n'est pas respecté, je suis obligé de, après l'Europe, rentrer sur la Côte d'Ivoire et pour attaquer la tournée canadienne. Sinon, tout est fait prêt. J'ai les papiers pour rentrer au Canada. Pour le Canada, il n'y a pas de problème. J'attendais justement. Si les États-Unis ne répondent pas, voilà, ne répondent pas encore cette fois-ci. La première fois, c'était ok. Mais par rapport à ma nouvelle, la vision que Dieu me donne, si les États-Unis d'Amérique ne répondent pas, je serai obligé de ne pas venir cette fois-ci et de poursuivre la tournée canadienne parce que j'ai déjà tous les papiers pour rentrer au Canada. Voilà, donc, et après ça, merci pour l'Australie. Il y a aussi l'Australie, il y a le Brésil. Merci, chapeau aux gens de l'Australie qui m'aident à venir et avec une organisation. Chapeau aussi aux gens de l'Australie, les Australiens qui sont mis dedans, chapeau aux Brésiliens qui sont mis dedans pour une grande croisade dans tout le Brésil. Une grande tournée dans tout le Brésil, une grande tournée en Australie. Chapeau à vous. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Je reprends encore pour dire, une tournée démarre. La tournée, le programme démarre le 24, du 24, 25, 26 à Lyon. Cela, on va lancer le programme de toute l'Europe. L'Espagne, les responsables de l'Espagne doivent être là, de Madrid à Lyon, pour confirmer ma venue sur Madrid. Ceux qui sont en Grèce doivent être là, ce programme-là. Pour confirmer mon arrivée en Grèce, ceux qui doivent être, n'est-ce pas, de l'Allemagne, doivent être là pour programme pour confirmer mon arrivée en Allemagne, ainsi de suite, Italie, parce qu'après Lyon, cap est mis sur l'Italie, à Milan précisément, et après l'Italie, nous allons mettre cap sur Toulouse, une ville de la France, et revenir pour l'Allemagne, et après ça, la Suisse, ainsi de suite. Il y a aussi d'autres personnes qui se mobilisent déjà pour, n'est-ce pas, d'autres villes, qui seront bien sûr là au programme. Et donc, il y a Rouen qui est en cours. Pour le moment, à Paris, nous allons travailler dans les différentes familles. Voilà, nous allons faire des croisades. Et nous allons beaucoup mettre l'accent si, n'est-ce pas, des délivrances, des cours de délivrance. Ce serait quelque chose de balèze. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse davantage. Et après cette tournée-là, 1 mois, 3 semaines, normalement, je dois partir dans le mois de mai sur les États-Unis. J'attends la confirmation, j'attends parce que c'est important. Quand je viens avec une vision. Et cette vision-là consiste à aller dans les différents états pour faire une semaine. Si les gens sont d'accord avec cette nouvelle vision, ok, je valide. Si c'est pas pris en compte, parce qu'on attend que les gens répondent, s'ils n'ont pas répondu cette fois-ci, c'est pas sûr que j'arrive sur le state. Voilà, je serai obligé de partir sur le Canada pour ma tournée canadienne et après ça ma tournée brésilienne au niveau du Brésil et l'Australie. Voilà. Il y a aussi le Japon qui répond. Il y a aussi la Chine qui a répondu aussi. Voilà. Donc nous sommes en train d'étudier le dossier de la Chine. Nous sommes en train d'étudier le dossier aussi du Japon pour ma tournée au niveau de la Chine, du Japon. Voilà. Donc c'est pour dire, il y a 213 pays qui nous suivent dans le monde et qui aimeraient nous voir un peu dans beaucoup de choses. Voilà. Nous avons reçu aussi une invitation de Dubaï. Voilà, Dubaï, dans le, voilà. Nous avons aussi reçu une invitation du Maroc. Voilà, ça sera pris en compte. Nous avons aussi reçu une invitation des gens du Sénégal.
Nous avons reçu une invitation de Centrafrique, nous avons reçu une invitation du Gabon, nous avons reçu une invitation pour la tournée du Cameroun. Voilà, nous allons prendre tout ça en compte par la grâce de Dieu. Mais pour dire, ça commence à être chargé. Voilà, dépêchez-vous les gens des États-Unis. Voilà, cette fois-ci, c'est une semaine dans les différents États. Il y a les gens des États-Unis qui me posaient la question parce qu'il y a une forte délégation qui veut arriver encore à Lyon. Ils me posaient la question. Ce n'est pas moi qui organise. J'ai une vision, ce n'est pas moi qui organise. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui organisent, vous les voyez. S'ils sont d'accord que j'arrive par la grâce de Dieu dans les différents États, moi je valide et puis je serai dans le mois de mai. Par contre, si ils n'ont pas répondu jusqu'à la fin de ce mois, je serai obligé de faire une annonce pour dire c'est pas trop sûr que je vienne aux États-Unis cette fois-ci, aux States, mais le cap sera mis par la grâce de Dieu sur le Canada. Voilà, le Canada. Je salue déjà Raoul et 9 autres enfants spirituels qui sont en train de préparer ma venue sur le Canada. Voilà, tout est fin prêt, tout est prêt pour que j'arrive au Canada. J'attendais justement de valider le truc des États-Unis parce que cette fois-ci, c'est encore une autre manière de travailler aux États-Unis. Voilà, donc les Canadiens, chapeau à vous, j'arrive par la grâce de Dieu. Voilà, donc j'arrive, c'est pour confirmer. Et donc, ne manquez pas d'acheter ce CD. Voilà, ne manquez pas d'acheter ce CD. Voilà, ce CD sera en vente pendant ma tournée. Et un CD acheté, c'est une question de... C'est comme si vous parrainez, n'est-ce pas, une personne en difficulté. Voilà, donc shalom à vous. Nous allons faire des grandes délivrances, vous recevoir, prier pour vous. J'aimerais avoir tous mes enfants spirituels ce jour-là, au lancement des activités. Il y a au moins plus d'une centaine de personnes qui arrivent de Londres. Voilà, on a annoncé déjà une centaine de personnes qui arrivent de Londres. Il y a aussi plus d'une vingtaine de personnes qui arrivent de la Suisse. Il y a plus de... plus d'une trentaine de personnes qui arrivent de l'Allemagne. Il y a aussi une personne, plus d'une trentaine de personnes qui arrivent de Luxembourg. Il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui arrivent de l'Italie. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent aussi de Luxembourg. Il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent de Bruxelles, de la Belgique. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans beaucoup de pays, même de la Suisse, de la Suède. Il y a des gens qui arrivent du Danemark, Voilà. Voilà, donc. Chapeau à vous. La salle est vraiment très vaste. Elle pourra accueillir beaucoup de personnes par la grâce de Dieu. Dépêchez-vous déjà appeler, faites des réservations. Allez sur Google pour faire la réservation déjà des chambres d'hôtel. Parce que c'est 3 jours. Nous avons le vendredi, samedi et dimanche. Le samedi, nous allons mettre beaucoup l'accent sur les réservations. De 15h jusqu'au matin, je vais recevoir. Toute la nuit, vous expliquer le mécanisme. Vous recevoir et faire sorte de délivrance. Ne manquez pas. Voilà. J'ai dit chapeau pour ma tournée africaine. Beaucoup de pays ont commencé déjà à répondre. Le Brésil, chapeau à vous qui m'invite. Il y a aussi l'Australie qui m'invite. Il y a aussi le Japon. Il y a aussi la Chine. Voilà. Voilà. J'ai été suivi par 200. Il y a aussi Dubaï. Je dois être en... Voilà. Voilà donc chapeau. On attend seulement la confirmation des gens des États-Unis. Voilà. De rentrer dans cette vision. Une semaine à New York, une semaine au Texas, une semaine dans les différents États. Si vous êtes d'accord, vous validez. Je valide. Et puis j'arrive. Sinon, après ma tournée européenne, je suis obligé de revenir en Côte d'Ivoire pour attaquer la tournée canadienne. Sinon, tous les papiers sont prêts. Pour le Canada. Je suis déjà tout prêt pour le Canada. Donc vous écoutez le Zulu Gospel. Voilà, shalom à vous. J'ai beaucoup parlé, non? Mais fais le sport. J'ai écrasé tous les tiklitis. Après l'annonce, je vais faire le sport pour écraser les tiklitis. Il faut qu'il y ait assez de souffle pour attaquer les maplao. Délivrance, Dieu m'a confirmé beaucoup de choses. Voilà. Voilà donc, shalom à vous. Shalom, shalom, shalom. Merci pour le soutien apporté à l'orphelinat. Les enfants qui ont vraiment besoin de nous. Merci pour le soutien apporté à la fondation. Shalom à vous. On est ensemble. Que la grâce de Dieu demeure sous vous. Et vous protège, vous protège. Esther Chou, merci, j'ai reçu ton annonce, ton message.
Ah, merci. Très content aussi. J'ai tellement envie de te revoir. J'ai envie de revoir tous mes enfants spirituels. Recevez la grâce de Dieu et la bénédiction. Bonne journée à vous. Que Dieu bénisse.